Tout le monde, c'est moi Hélène de la chaîne Hélène Maria sur YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma première vidéo sur YouTube. Je vais faire vraiment cas au plat. Alors, aujourd'hui, les filles, je vais vous montrer comment enlever vos cuticules très très facilement. Voilà, donc je suis dans la cuisine. Voilà, parce que ça t'évite. Hein. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Allez, go! Bon, alors les filles, donc moi j'ai pris un petit bol qui est rempli d'eau tiède, voilà, du robinet, pas très chaude jusqu'à, voilà, juste bien, vous pouvez mettre les doigts dedans. Donc pour enlever les cuticules, on va mettre nos doigts dans l'eau chaude et après on va reposer avec un coton-tige, donc soit un coton-tige, soit un petit bâtonnet en bois. Voilà, un bâtonnet en bois, il faut bien l'utiliser, pas vers la pointe, voilà, juste comme ça, de ces côtés-là, parce que sinon vous allez vous faire mal avec la pointe. Vous utilisez un cure-dent, un bâtonnet en bois, mais moi, comme j'ai pas ça, j'ai pas de bâtonnet en bois, je vais utiliser un petit coton-tige. Allez, donc j'ai trempé ma première main. Voilà, bien, vraiment, vos ongles doivent être tous dans l'eau chaude. Voilà. Donc je laisse environ 30 secondes. Alors bon, donc moi j'ai trempé de quelques secondes ma première main. Je prends mon coton-tige. Est-ce que vous avez résumé comme ça? Donc est-ce que vous avez vu les cuticules qui sont là? Je prends mon coton-tige, je vais les repousser. Voilà, parce qu'ils sont, on va dire, je sais pas, mous, je crois. Voilà, donc on va les repousser très facilement. Comme ça. Voilà. Donc je repousse très bien. Voilà, dans chaque ongle. Voilà. Voilà. Et comme ça. Alors, donc maintenant, dans le pouce. Très bien poussé. Il faut enlever toutes les cuticules. Voilà. Alors, donc, moi, la deuxième main, je vais la faire hors caméra. Voilà, parce que bah, vous avez vu un exemple. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, est-ce que vous pouvez me laisser, s'il vous plaît, un petit j'aime. Je vous en supplie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'écrire un commentaire, ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.